Nîmes, 17ème, est en position délicate, un point d'avance sur la zone rouge. Mais ça va mieux sur 4 matchs sans défaite. Et les Nîmois à domicile veulent confirmer ce renouveau face à Niort, 5ème. Ça s'annonce compliqué car les Chamois niortais sont les meilleurs en Ligue 2 depuis plusieurs mois. 6 victoires et 2 nuls sur les 8 derniers matchs. Nîmes qui doit jouer sans Ben Yaya et Corrèze, blessés côté niortais. Rocheteau et Glombard sont également absents, tout comme Diao, suspendu. Le premier but du match est nîmois. Dès la 4ème minute, c'est Romain Sartre qui ouvre le score. Et c'est le premier but de la saison pour le défenseur du Nîmes Olympique. Ça part très bien pour Nîmes. Attention à la réponse niortaise avec cette possibilité de débordement. Niort est plein de confiance en ce moment. Il ne va pas s'inquiéter d'être mené 1-0. La preuve avec l'égalisation signée Florian Martin dès la 8ème minute. 4ème but de la saison pour Martin. Et aucun doute, 4 minutes après l'ouverture du score nîmoise, Niort revient donc à égalité 1 partout. Niort est d'ailleurs la 3ème meilleure équipe du championnat à l'extérieur. 4 victoires, 4 nuls et seulement 4 défaites. Nîmes pourrait vite retrouver une position de doute. Et pourtant, il continue à attaquer avec cette frappe sur la barre transversale magnifique. Et ce ballon dans la surface de réparation. Beaucoup d'initiative. Une équipe nîmoise qui continue à attaquer avec cette poussette dans le dos. Et l'arbitre qui intervient, Florent Batta, qui va sortir le carton rouge pour David Fleurival. 39ème minute. Niort se retrouve en infériorité numérique. Et à 10 contre 11, ça s'annonce plus compliqué. D'autant que la sanction arrive sur le coup franc. C'est signé Vincent Granic. À 5 minutes de la mi-temps, ça fait 2-1 pour Nîmes. 6ème but de la saison pour Granic. À la mi-temps, 2-1 pour le Nîmes Olympique. Les Niortais paraissent très énervés. Et c'est peut-être une opportunité à exploiter pour Nîmes. Les Niortais vont tout faire pour obtenir au moins le point du nul à l'extérieur. Même à 10 contre 11, ils en paraissent capables. Avec notamment ce centre, la reprise de Salah. C'était un angle très fermé et ça passe au-dessus. Nîmes a petit à petit un peu plus la possession du ballon. Celui-ci est très mal dégagé. Le petit crochet et le but intelligent de Mam Ousmane Sissoko. Ça fait 3-1 à la 69ème minute. 5ème but de la saison pour Sissoko. C'est très bien parti pour Nîmes. Une action très intelligente, un but malin qui permet d'envisager les 20 dernières minutes avec un peu plus de décontraction, 2 buts d'avance. Niort est en train de goûter de nouveau à la défaite. Ça n'était plus arrivé depuis longtemps et une défaite sévère. Déjà 2 buts d'écart. Et bientôt 3, car ce ballon est considéré comme une passe en retrait au gardien. Et sur ce coup franc indirect dans la surface de réparation, Vincent Granic s'offre le doublé. C'est son 7ème but de la saison. 78ème minute, 4-1 pour Nîmes. Un gros carton pour les Crocos. Niort ne s'était plus effondré comme ça depuis longtemps. Et Nîmes réussit une superbe opération, tant sur le plan comptable que sur le plan du moral. Malgré quelques dernières opportunités, Niort ne marque plus. Et c'est bien Nîmes qui remporte ce match. 4 buts à 1 face à Niort.